Voilà, je suis très émue, très, très émue. C'est très touchant parce que ça représente tellement d'années. J'en ai fait 12, les 12 dernières années. C'était des moments extraordinaires. Au début, c'est l'apprentissage de mon métier, caché derrière le Castelet. Mais quel apprentissage! Et lorsqu'on a terminé et lorsque les années ont passé, on se rend compte l'impact. C'est surtout l'impact que cette émission a eu sur des générations et des générations. Et encore aujourd'hui, les grands-parents se permettent de montrer des vidéos de Bobino, puis les émissions jeunesse de Radio-Canada. Alors, je pense que c'est une grande fierté pour moi de faire partie de cet héritage, dans le fond. J'y étais toute petite admiratrice et téléphile. C'était Bobinette, c'était mon héroïne. Bobino aussi, c'est mon héros d'enfance. Je me suis glissée derrière le Castelet, puis voilà. Mon rôle était double, en fait, parce que j'étais marionnettiste. Alors, marionnettiste, c'est la manipulation et la voix. Alors, je dois dire que je suis très impressionnée de me voir ici, après tant d'années. Oh, c'est chouette, Camerio. Es-tu d'accord? Oui?